n'ai rien fait intentionnellement. Non, c'est pas possible. Une minute d'égarement ne peut pas effacer toute une vie respectable. On ne peut pas choisir. Faut tout aimer en vrac ou tout jeter. C'est une question de vie ou de mort. C'est une clé. Il ouvre des portes. Un monde où les gens sont gentils, vous comprenez? Tu as été choisi et inscrit sur la liste des jurés prévus pour le procès Soutral. Monsieur le septième juré? Je vous l'énorme. Il y a un assassin parmi l'honorable société. Un véritable assassin, il a la même gueule que les autres. Ces visages, ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils ne se doutent pas que tu as un secret. Ils ne savent rien. Mais bien sûr, je l'aime. Et s'il veut, il peut revenir. À croire que pour certains, l'amour, c'est la seule grande affaire de leur vie. Que rien d'autre n'a d'importance. Le scandale ce soir, il est ici. Ici, au milieu de votre trouille. Puisque je vous dis que je suis innocent. Innocent ou non ? Coupable ou non ? Ça ne peut pas durer comme ça ! Il faut que vous partiez, Sophie. Tu es le dernier à l'avoir vu vivant. Tu comprends ? Je suis surtout le premier à l'avoir vu mort. Attention à toi, mémé. Ça pourrait bientôt être ton tour. Messieurs, je viens d'arrêter l'assassin. Bravo ! Oh, qui est-ce ? On le juge, on lui coupe le cou et vive la France ! Je vous ai compris. Non, mais je vous en prie. Merci. Restez, monsieur le procureur. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui, je maigris en ce moment.